Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hachishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hachishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, et puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. Deux seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Quelle maîtrise! Regarde, voilà comment nous devrions tous combattre. Comme on dit, hérétique. Je comprends. Tu es très occupé. Ne vous contentez pas. Laisse aller et venir à ta guise? Je croyais cette forteresse interdite d'accès. Oui, mais Guillaume souhaite que les réparations soient faites aussi vite que possible. Une chance pour nous. Une couverture parfaite. C'est malin. De toute façon, j'ai fini mon rapport et je dois le porter. Pour une fois, la situation nous est favorable. C'est pas un accident. Tu sais ce que dit la Bible? Aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, il s'agit d'un extrait des fables d'Ésope. Au contraire. De nombreux passages bibliques évoquent la patience, la loyauté et la nécessité d'attendre que le Seigneur décide si, oui ou non, il apportera son aide. Bien, je crois que nous avons assez attendu. C'est pas moi qui te contredirai. Très bien. Alors je m'en vais. Allez-vous-en ou je me charge de vous. Des veuves, des orphelins, ils sont...
sont bien récompensés, nos efforts. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Le roi Richard nous a promis un avenir meilleur, des terres intactes, un nouveau départ. Mais nous n'avons vu que la mort. Guillaume de Montferrat est un visionnaire. Il a compris comment mettre un terme à notre souffrance. Suivons-le, et il nous mènera à la victoire. Debout, mes amis ! Ne nous laissons pas envoyer au massacre pour céder aux caprices d'un roi en proie au doute. Accordons notre confiance à des hommes qui ont des convictions. Des hommes comme Guillaume de Montferrat. De l'or, j'ai quelques pièces sur moi. Prends-les. Prends-les et file. Je me moque de l'or. Je veux des informations. Je ne sais rien. Tu connais Guillaume. Je dois le rencontrer. C'est impossible. Il s'entretient avec le roi. Quand le roi doit-il partir? Ce jour. Mais cela ne changera rien. Ils vont se quereller et Guillaume se retirera pour sermonner ses soldats. C'est une habitude. Richard blâme Guillaume et Guillaume blâme ses hommes. Il ne te verra pas. Je te l'ai déjà dit, je dois voir Guillaume, mais je n'ai jamais dit que lui devait me voir. Conversation est terminée. Pas si vite. Il me reste encore quelque chose à te prendre. Ah oui, quoi ? La vie. Sans notre soutien, Richard et ses hommes ne... Qu'est-ce qui se passe ? Et sérénité, Altaïr. En ce qui me concerne, mon sort est déjà scellé. J'ai ce que je mérite, je suppose. Je me suis montré imprudent et les archers de Guillaume sont après moi. Je pourrais m'en occuper moi-même, mais pour être honnête, je manque d'adresse. Est-ce que tu voudrais les tuer pour moi? J'ai quelque chose qui pourrait t'aider en échange, si tu acceptes. Mais attention à ne pas te faire repérer. Soyez forts, résistez. N'abandonnez pas. Sans notre soutien, Richard et ses hommes ne pourront libérer la Terre Sainte. Faisons de notre mieux pour les aider vous à défendre. Pas, ne restez pas là. Occupez-vous de vos champs. Soyez les blessés. Est-ce qu'il lui prend ? Priez pour ceux qui se sont sacrifiés au nom de Dieu. Nous avons chacun un rôle à jouer. N'ayez pas peur. La peur et le doute sont les armes de nos ennemis. N'écoutez pas leurs mensonges. Ces mots empoisonnés sèment les graines de la discorde. Soyez être sensibles. Je vous le dis. Un assassin, fais-le ! Envoie, t'as aucune chance !
tuer l'assassin. Merci, Altaïr. Je peux enfin me déplacer librement en ville. En échange de ton aide, accepte cette carte. Elle indique les lieux où Guillaume a posté ses autres archers. Elle te sera d'un grand secours à l'intérieur de cette forteresse. Nous les avons chassés de Saint-Gendarme. On n'a rien à faire ici. Maintenant, ne recommence jamais ça. Je vous en prie, venez venir juste quelques pièces. Il a l'air prêté, celui-là. Fiche le camp. Altaïr. Toujours à la recherche de quelqu'un pour t'aider dans tes sales besognes. Cette fois-ci, Al-Mualim n'a rien pour toi. C'est moi qui te lance un défi. Retrouve les drapeaux de Massiaf que j'ai cachés dans le quartier où réside Richard. Et comme l'ordre, ne compte pas de membres plus loyaux que moi. Je te donnerai des informations importantes sur la ville d'Acre. Et c'est juste de revenir plus rapidement que la première fois. Quelqu'un a-t-il vu ce qui s'est passé ? Il n'a pas le droit d'être ici. Continue ainsi, je changerai d'avis sur toi. Je vais te dire ce que j'ai appris sur Guillaume de Montferrat. Il s'est disputé avec Richard avant que le roi ne parte pour Jaffa. Depuis, Guillaume reste cloîtré dans sa citadelle, entouré de ses soldats. Penses-tu pouvoir l'atteindre alors qu'il est si bien protégé ? Nous verrons, mais permets-moi d'en douter. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Avance plus. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen.